Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Découverte du pack écologie. Comme vous pouvez le voir, on a déjà ça de cassé et j'ai agrandi la terrasse et c'est beaucoup plus mignon. Et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai inclus une petite clôture absolument adorable pour avoir voilà le petit coin. On crée des meubles, quoi. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose de changé. Il y a juste ça qui est cassé, qu'il faudra le réparer. Et puis voilà. Et puis s'occuper des plantes aussi. Oui, ça va être intéressant. Eh ben, Sacha, pour une fois, elle va travailler à la maison parce qu'on m'a demandé de regarder, voir ce que ça faisait d'accompagner entre guillemets Sacha, quoi. Sachant que elle ne pourra pas. Voilà, elle va rester à la maison. On a des missions à faire, par exemple, se procurer une pièce améliorée. Ça, on l'a déjà. Effectuer une amélioration sur un appareil électroménager avec votre compétence bricolage ou des pièces écologiques. Bah nickel. Nickel, ma belle. Mais avant tout ça, c'est le petit déj sur les chaises et tables bah, que notre ami Jonah a fabriqué. Puisque là, on s'est dit, ça y est, on va se lancer dans l'aventure. On va meubler ce qu'on peut avec ce qu'on peut faire, quoi. Bon, ben, le divertissement de Jonah commence déjà. Il a du mal, lui, à se garder bien comme il faut. Hein. Tu vas pouvoir écouter de la musique. Allez, chanteur-compositeur. Comme ça t'occupera un petit peu. Ça te remontera. Ah, j'avais pas vendu le biocarburant de la dernière fois. Ben, tu vas le vendre. Et puis la bougie aussi, tant qu'à faire. Je pense qu'au niveau finance, on est bien. Non, tu vas me nettoyer ça, s'il te plaît. Et puis, ouais. Voilà, on va réussir à faire ce qu'il faut, sachant qu'il nous reste un colorant à choper pour qu'il puisse avancer dans dans son aspiration. What? Elle a trouvé un ordinateur dans la poubelle! Mais laisse tomber quoi, mais on a trop de chance là. Alors toi, tu dois travailler, tu dois améliorer quelque chose. Tu vas déjà aller nettoyer ça, réparer et le nettoyer parce que sinon ça va être pas cool. Et par contre, pour l'amélioration, on va voir ce que ça donne. Si on peut l'améliorer celui-là, ou au pire, on améliorera un des deux récupérateurs d'eau parce qu'on avait déjà amélioré un des deux. Bon, bien sûr, pile quand elle est en train de réparer celui-là, il est devenu dégueulasse. Bon, bah, tu vas tout nettoyer. On voit même les chiures de pigeons et tout. Énorme. Allez, Jonah, aujourd'hui, tu vas nous refaire une chaise. Parce que comme ça on aura 4 chaises à notre table, ça pourrait être pas mal. Et après on verra, on va réfléchir. Peut-être commencer à faire du mobilier d'extérieur. Ça pourrait être cool. Bon, on n'a plus d'électricité. Bah c'est que déjà on la produit nous-mêmes, donc monsieur, ça sert à rien de nous couper l'électricité en fait. Oh c'est nul, je peux pas améliorer un panneau électrique. Ah si tu peux améliorer ça. Ah bah vas-y. Contenant renforcé pour celui-là. Mais oui! Allez, ma cocotte, tout va bien. Et puis après, tu pourras en profiter pour jeter ça. Et hop, on a fait une chaise. Cool. Est-ce que tu peux fabriquer... Alors, lampe... Un petit guéridon. Un petit guéridon, vas-y. Allez, Sacha, tu vas y arriver. Puis alors, maintenant qu'elle a trouvé un ordi... J'en peux plus. Il vaut combien? Bah, 2000. Bah, c'est exactement celui qu'on avait trouvé, en fait. Celui qu'on a ici. Et qu'on avait trouvé, ben voilà, elle en a trouvé un autre, quoi. C'est énorme, regardez. Bien sûr, il est cassé, hein. Mais c'est pas grave, elle va le réparer. Et puis quand elle l'aura réparé, ce sera vendu, évidemment. Parce que là, 2000 simflouzes, j'ai gardé celui-là, mais je vais vendre celui-là, hein, c'est sûr. Ah, mais du coup, ça m'a pas compté. Le fait que ce soit pas un appareil électroménager. Ah, ouais, d'accord. J'ai amélioré le truc d'eau, là, comme vous avez vu. Et ça me considère pas comme électroménager. N'importe quoi. Bah là, je suis en train d'améliorer la baignoire douche, mais en fait, je suis en train de dire électroménager. Ça doit pas être ça. Oh zut, hein. Le retour des criquets ressuscités. Désolé pour ceux que ça dégoûte. Mais bon, faut en prendre soin, donc... Bah écoute, tu vas les nourrir, hein, parce que je crois qu'avec le compost, ça marche pas. Bon, la seule chose qui peut être électroménager, c'est la gazinière, même si on l'a jamais utilisée. Voilà, on va l'améliorer, on va lui donner un extérieur enduit. C'est la seule amélioration que je puisse faire, donc j'espère que ça va marcher dans son truc. Tiens, 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 voilà Beth. Comment vas-tu, madame? Non, on n'avait pas investi dans ces trucs parce qu'on n'avait pas d'argent, mais peut-être qu'elle va nous essayer de. Oh, je crois qu'elle est pas très claire. Ah oui. Ah oui, ça sent l'hébétation, ça, hein? Et tout est bêté, c'est ça, ou écarquille les yeux, ça ira mieux. Voilà, l'arbre finit d'installer le truc là, mais ça ne pas.
Ça n'a toujours pas fait utiliser une amélioration écologique sur un appareil, les pièces à Mais ils ont dit ou avec des pièces écologiques et maintenant ils me forcent. Mais moi j'ai pas assez de trucs pour mettre un truc écologique sur mes machins quoi. Regardez, j'ai pas ça. J'ai pas. J'ai déjà tout utilisé. Mais wesh, l'autre utilise le PC qu'on a réparé quoi, tranquille. Allez, on est parti pour une petite chaise d'extérieur faite par les petites mains. Enfin, moi je m'en doutais qu'il laisse. La machine elle est cassée. Ah, ça m'énerve. Tu peux venir la réparer, s'il te plaît. Bah toi, pour l'occasion, tu peux rien faire dans cette poubelle. C'est pas grave, on en a plein des poubelles, nous. Tu vas venir ici chercher des trouvailles et chercher des ingrédients. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Tu vas pouvoir faire un truc, une amélioration économe en énergie parce que j'ai filé. Bah en fait, lui, il avait des pièces dans son inventaire et je les ai toutes filées à sa sœur et du coup, ça y est, ça a débloqué. Ah, cool. Wesh, il a trouvé un lit! Un lit qui est pas cramé! Merveilleux. Après tout ça, Jonah, il aura bien besoin d'une bonne douche en espérant qu'il y ait de l'eau. Oh, il a réussi à retrouver 430 simflouz dans la benne, c'est incroyable. Ah, tu peux plus... Essaye de faire partir les cafards déjà. Parce que les mouches, j'ai un peu peur qu'elles te tuent en fait. Comment il crie? Ah, ça fait des trucs dégueulasses quand il les écrase. Oh non, le réalisme quand même, là, les Sims, c'est abusé. Regardez-moi ça. Cafard dégueulasse. Ah, bah elle peut quand même les évoluer aujourd'hui, ces plantes de soja. C'est une bonne chose. Non, mais Sacha, si tu me casses tout dès que tu touches un truc, c'est pas grave, tu vas réparer, ça te fera se gagner des pièces et tout, mais quand même, c'est un peu lourd. À peine lavé, qui remet la tête dans la benne. Pour trouver des petits trésors, j'espère. Des meubles, des trucs. Des trous et des matériaux recyclés. Bon, c'est pas super, mais c'est toujours ça. Oh yes! Il a trouvé un colorant rouge brique. Ça fait qu'il possède 5 colorants et qu'on a validé une autre étape de son aspiration. Atteindre le niveau 7 de la compétence fabrication d'objets. On est à 6. Récupérer des insectes dans un élevage d'insectes 3 fois. Récupérer des insectes? Mais on récupère pas des insectes? Enfin bref. Et créer 5 bougies. Donc on devra se retaper 5 bougies. Maintenant qu'on était passé au meuble, ben, on va revenir aux premières amours, quoi. Et bonne nuit à vous les cocos! Moi pendant ce temps-là, je vais faire un tour dans votre inventaire de famille. Dans l'inventaire, nous avons donc ceci. Ah oui, c'est vrai, il a pas pu faire son fauteuil. Donc c'est dommage, mais on a au moins la chaise, donc voilà, on va commencer à faire ça. Le petit guéridon sympathique, tout plein, on va le mettre là, pourquoi pas, après tout. Un lit double, bon, il est un petit peu moche sur les bords, il est un petit peu usé. On va le vendre, je pense, tout simplement, 25 simflouz, bon ça va, c'est pas non plus une très grande perte. Ce fauteuil-là était juste abîmé, mais pas cramé, donc on peut le revendre 215 simflouz. Nous avons un pot de céréales et après le reste c'était des trucs cramés. Donc bien sûr ça, quand j'aurai la machine à recycler à la maison, et eh ben peut-être que je vais l'acheter d'ailleurs. J'allais oublier évidemment le PC. On est à 7000 simflouz, c'est énorme. Comme Et voilà, au cœur de la nuit, notre petite maison s'améliore et a de nouveaux objets. Donc nous aurons maintenant le truc pour faire des pétillés, distilleries en fait, hein, faire des boissons avec des petites bulles. Donc j'en avais envie de tester. Je me suis dit, bah, rien de mieux que de tester dans le Let's Play découverte, quoi. Nous avons toujours cette machine pour fabriquer. Et j'ai mis du coup un recycleur. On n'aura pas besoin de se déplacer à chaque fois. Et on pourra recycler directement ici. Voilà, avec le petit guéridon et la petite bougie ici. C'est bien mignon. Et puis, petite chose, finalement, j'ai mis ici eh bien, une table d'échecs avec une des chaises qu'il avait fabriquée. Du coup, on n'est plus qu'à trois là. Parce que pour Sacha, en fait, elle a besoin de gagner de la logique pour son boulot. Et comme j'ai envie de voir ce que ça donne d'avancer, eh ben, il faudra que je lui fasse travailler sa logique. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, Sacha, elle va aussi travailler encore à la maison. On va tester ça. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? Elle doit présenter un concept municipal et envoyer un concept municipal. Parler à un Sim, c'est présenter lui un concept municipal pour obtenir ses commentaires. Est-ce que tu peux le faire avec ton frère?
Ce serait génial. Ah merde, maintenant vous n'avez aucun concept à présenter. Les concepts doivent vous appartenir et ne peuvent être présentés qu'une seule fois. Oh, c'est bon, j'ai trouvé. C'est grâce à sa tablette dans son inventaire en fait. Bah tu vas créer un concept tout de suite, comme ça tu pourras en parler à ton frère et tout ça. Mais en attendant, ben voilà. Faut bosser, cocotte. Et en parlant de bosser, ben mec, on est parti pour la bougie, hein. Allez, tu vas me faire quelques petites bougies. Bougie bougea, voilà. Des bougies blanches, des trempées, des rectangulaires, on s'en fiche, tu dois en faire 5. Pour son aspiration, je le rappelle. Ah bah oui, ça brûle, hein. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas brûlé les doigts, cet idiot. Oh, mais regardez, je suis en train de jeter un œil à ce qu'elle fait, regardez. On dirait qu'elle veut créer le truc qui aspire la pollution, là. En tout cas, ça ressemble un petit peu. Yes, elle a déjà fini. Ah bah, d'accord, elle m'en a fait deux, en fait. Elle en a fait deux, mais... Ok, bon, écoutez, hein. Tant qu'elle puisse lui présenter, moi, ça me va. Regardez, elle est censée avoir sa promotion, en plus, c'est trop cool. On va arriver au niveau 3, seulement. Bon, c'est légèrement relou, en fait, c'est que pendant qu'il attend pour sa bougie, il fait rien d'autre, il peut pas parler, on peut pas lui parler. Donc c'est vraiment une perte de temps assez incroyable pour les bougies, hein. C'est dommage. Ça y est, ton frangin est enfin libre. Tu vas pouvoir lui présenter ton concept municipal parce que là. Quoi? Zimzay, Mais, what? Mais pourquoi? Bah, le deuxième alors? fine. Oh là là, qu'est-ce Shit que. Mais qu'est-ce que c'est? dwarf. Elle est chelou celle-ci, hein. Firmenuch. Oh, il y a le retour de Zimbabwe. Bess. Oh non, c'est bon, on s'occupe pas d'elle, on n'a pas le Kermit temps. Dwarf. Beam. Pourquoi ça Charm. marche pas? Vas-y, ça me gave! Tu peux lui inviter à entrer, elle, on va essayer de lui montrer à elle, parce que là ça marche pas, ça me saoule en fait. Vas-y, présente ton concept à What must I Bess, sinon c'est vraiment know? n'importe quoi, hein, si Nature. ça Oh, marche pas. Jive Bowie. D'accord, bah à Ah. elle ça marche! Voilà, elle lui Kinnikuminic. présente son petit papier, mais à son frère ça Arvanishok. marchait pas. Super, normal. Shrozis Abimi. Elle est à fond avec son truc. Peniru. Lemisi. Là, elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Oh bah l'autre elle prend en photo. D'accord, tout va bien. En fonction des commentaires reçus, Sacha peut désormais retourner à la tablette de conception et modifier le concept pour essayer de l'améliorer. Très bien. Bon, pour l'instant, elle a... Attendez, je me suis trompée. Il faut qu'elle l'envoie maintenant. D'accord, ok, très bien. Donc là, son concept, genre lequel je sais pas, envoyer le concept. Non, d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Modifier le concept. On va le modifier. Selon l'avis de Bess. Donc excuse-nous, on bosse, nous, hein, et puis après on va l'envoyer. D'accord, écoutez, c'est une nouvelle façon de travailler, d'apprendre à faire cette nouvelle carrière, quoi. Bah tiens, on va investir dans la combine, entre guillemets, légale pour gagner de l'argent. Vas-y, vas-y. On va tenter le tout pour le tout, là, on a 5000 simflouz, donc on est bien quand même. Tu vas la remettre dans l'inventaire, ta tablette, tu vas pas la laisser comme ça, ce serait dommage. Mais on avait investi 1000 simflouz et puis on verra bien ce que ça donne. Ah! On peut donner tant qu'on veut. Allez, on va donner 1000. Nous, on est fous, mais on est comme ça. J'espère que ça rapportera derrière. Si ça rapporte pas, eh ben vous le saurez grâce à moi. Allez, tu veux envoyer le concept de solution innovante, médiocre et médiocre. On s'en fout, hein, on n'a pas demandé à ce qu'il soit bon, hein, donc tu vas l'envoyer. Tant pis. 123 simflouz de plus, et puis voilà, on a gagné notre journée! Et maintenant, tu vas aller t'entraîner pour les échecs, pour avoir ton niveau 2 en logique! Pour que t'arrêtes de faire du travail médiocre, ce serait pas mal. Bon, on y va doucement pour la logique, mais on y va, on est à 1,5. Elle aura les deux à fond à la fin de la journée. C'est obligé. Qu'est-ce que quoi? Quoi? Madame? Oh bah je pense qu'on va encore se prendre une amende ou comment ça se passe, non? J'ai pas vu, j'ai juste vu passer une dame avec un sac poubelle et une dame qu'on n'avait pas invitée à la maison, donc bon, tant pis. Voilà, n'oubliez pas de vous occuper de vos poubelles extérieures, cette visite vous a été facturée 50 simflouz. Youhou! Yes! Niveau 2 pour Sacha! Je vous l'avais dit qu'elle les aurait en logique, après c'est pas très compliqué pour l'instant, donc je vais la laisser jouer un petit peu, puis après elle ira peut-être manger si elle a envie de manger. Ah bah tiens, on peut déjà se renseigner sur les résultats de l'investissement auprès de Bess. Donc quand il aura fini de faire sa bougie, et ben il va l'interroger, genre elle est même pas encore rentrée chez elle encaisser le chèque, que on est déjà en train de lui demander des comptes. En même temps, c'est 1000 simflouz quand même. Faut pas déconner. Yips. Alors, cela va prendre un certain temps. Bah voyons. Allez, va manger mon beau, va t'as raison.
Ah, je lui ai demandé des astuces de pétillerie. Shona a commencé son apprentissage dans la pétillerie. Je vais y arriver. Continue à améliorer cette compétence en utilisant le pétilleur et en faisant des expériences avec des ingrédients. Oui, c'est mon intention. On va tester ça. Bon, en tout cas, pour Sacha, ça sent bon. Hein. Ça devrait être la promotion. Allez, go. On va tester cette machine, déjà. On va recycler un petit peu. Comme ça, au moins, on va récupérer des pots de bananes et tout ça. Ce sera bien. Ce sera bien intéressant pour nous. Et le petit cube qui arrive. Et on récupère... Ah, on récupère pas mal de pots de bananes. Ça, c'est intéressant. Tu vas donc recycler ce fauteuil-là. Vous avez reçu vos premiers débris en morceaux en utilisant le recycleur. Passez votre curseur sur le recycleur. Ouais, ça, je savais, du coup. Bah, je sais parce que je l'ai déjà utilisé, mais c'est la première fois qu'on l'utilise à la maison. Note besoin de petits cubes et puis tu vas pouvoir commencer à faire des trucs pétillants. Tu vas mettre des ingrédients, je ne sais pas du tout si on a des trucs dans l'inventaire d'intéressant à mettre dedans. Genre vraiment, je ne sais point. Ah, on a des baies romantiques. Vas-y. Une baie romantique, peut-être que ça va faire un truc sympa. Et du coup, je dois recliquer dessus si ça a commencé à pétiller. Et ok, très bien. Deux simflouzes quand même, hein. Il faut payer pour faire pétiller. Oh punaise, les trucs qui disparaissent par contre, c'est pas très très cool. On aura tout testé comme ça, regardez. Les petites bulles qui apparaissent. Et ça pétille, et ça pétille. Ça pourrait être sympa, une petite boisson romantique. What? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais quoi? Mais c'est quoi? Mais quoi? Mais pourquoi? Mais non! Mais n'importe quoi! Mais c'est la première fois que ça m'arrive, ça, qu'ils sont enlevés par les extraterrestres sans... Alors, comme ça? Sans aucune raison? J'ai entendu de la musique, je me suis dit, ah, mais il se passe un truc, j'étais partie surveiller la pétillerie, là. Oh non! Mais n'importe... Bon, du coup, pas prêt pour la coller. D'accord, donc ça travaille tout seul. Ok, très bien. Tu vas me fabriquer un truc... Non, mais là, c'est n'importe quoi. Elle s'est fait enlever, là. C'est n'importe quoi! Tu vas construire une pièce comme ça? Pour ta sœur, ça pourrait être sympa, là. Si elle revient, surtout qu'elle est enceinte d'un extraterrestre, on n'est pas dans la merde. Et puis une chaise, là. Parce que tu l'avais toujours pas faite. Ouais, Bess, t'inquiète. Non, mais on est chez les aliens, là. On revient bientôt, mais on aura des savoirs incroyables, je pense. Alors, voilà. Mais what? Ah bah voilà, elle était bêtée. Déboussolée, se fait enlever. Oh ma pauvre, j'espère juste que t'es pas enceinte, franchement. Pas comme ça, quoi! Oh là là! Ah! Le truc, il est prêt! Alors attends, avant d'aller manger et dormir, tu vas récupérer le jus, du coup. Ça pourrait être sympa de voir ce que ça donne. Tu vas bien, Sacha? T'es... Ouais? Parce que bon, je voudrais pas qu'il t'arrive des bricoles. Alors, lui, il récupère le jus dans une petite bouteille. Oh, jus de fruits pétillant B romantique. Bah, c'est très bien, on va laisser ça comme ça. On peut donner des noms. Et fais voir, du coup. Et si tu la bois, je suis sûre que... Déjà, on prend ces 12 simflouz à bouteille. Dis, mon frère, tu veux écouter un truc un peu rigolo? Eh ben, je me suis fait enlever par les aliens. Oui, c'est ça, ouais, sœur, mais c'est ça. Non, mais sérieux, j'ai les preuves, tout ça. Rien de ma gueule, je suis tout hébété. Franchement, ils m'ont fait des trucs avec leur bistouri, ils m'ont mis des trucs dans des trucs, je te raconte pas, quoi. J'aurais bien aimé que tu racontes, moi. Ma pauvre petite Sacha, elle s'endort quand même le sourire aux lèvres. Hein. Bon, après, je sais que c'est plus les hommes qui risquent de rentrer en étant enceint, mais bon, sait-on jamais. Moi, j'ai toujours peur, hein, parce que, voilà, un bébé alien, c'est pas trop mon kiff. Bon allez, Jonah aussi part se coucher. Moi, je pense que c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Aujourd'hui, on aura investi dans du matériel. On aura aussi investi dans la pseudo-combine légale de Bess. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. Et puis, ben, on s'amusera aussi à faire pétiller des trucs. Et puis, ce sera une promotion pour la jolie Sacha. Moi, je vous fais des gros bisous. À très bientôt pour de nouvelles aventures ou autre chose. Salut!